Nous pouvons prendre Romains chapitre 12, verset 9. Nous pouvons nous mettre debout. Romains 12, verset 9 à 21. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Juste après la lecture, mon frère Job, tu peux élever la voix. Lisons. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des préférences réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Mon frère Job. Accompli à la croix pour notre rachat, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, nous venons pour être remplis de cet amour. Nous venons parce que seul l'amour parfait entrera là-haut. Amen. Toi, Dieu, tu es amour et tu dis que nous devons aimer comme toi tu as aimé. Oh, mais nous venons à toi sur ce caractère de Christ. Nous venons pour recevoir cette nature divine. Nous venons pour recevoir cette vie qui est conforme à l'Évangile, comme nous l'avons vu, Seigneur, ne pas rendre le mal pour le mal. Seigneur, bénis lorsque nous sommes maudits. Seigneur, mettre cette parole en pratique. Amen. Vivre en paix avec tous les hommes. Oui, Seigneur. Seigneur, nous venons pour être transformés ce soir, que nous puissions sortir te ressembler au Christ, que nous puissions sortir remplis de ton Saint-Esprit. Oui, aide-nous ce soir, nous venons tel que nous sommes, toi le portier, pétris-nous comme une pâte, Seigneur, façonne-nous à tes mains, nous recommandons notre Seigneur à tes mains, bénis, Seigneur, ces lèvres humaines, remplis encore ta parole dans ce cœur, envoie ton glorieux Seigneur. Oui, Seigneur. Nous conduire et nous parler ce soir. Nous avons réuni cette réunion entre tes mains. Et déjà, nous te disons merci, Seigneur. Parce que nous croyons que toi, le Dieu fidèle, ô Père, tu vas assister chacun de nous. Oui, Seigneur. Sois loué, sois bénéfique. Nous avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, comme nous l'avons dit, notre frère Justin, qui est pasteur à l'Assemblée de Nottingham, est arrivé, il est parmi nous.
juste qu'il va prêcher ce soir, il va prêcher vendredi, et le samedi, nous partirons ensemble à Krefeld. Et Dieu voulant, le dimanche, après Krefeld, il va reprendre son vol pour retourner à Nottingham. Beaucoup le connaissent, il a déjà prêché ici en 2015. Oui, en 2015, il y a très longtemps, ils étaient ici avec le frère Hervé Noël. En 2015, oui, il a prêché ici. Et le Seigneur a permis qu'il soit au milieu de nous ce soir. Et c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Est-ce que vous l'accueillez au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Mon frère, tu peux venir. Que Dieu vous bénisse richement. Et une très bonne écoute. Nous pouvons dire, comme nous pouvons toujours le dire, Corneille qui pouvait dire à Pierre, dis-nous maintenant ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Que Dieu te bénisse richement, mon frère Justin. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est ma joie de voir mon frère Mbille de l'autre côté. Donc j'aurai le temps de venir te visiter, de parler. Parce qu'évidemment le temps est contre nous, nous pouvons tous nous élever et lire. Prenons une écriture dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Je peux déjà vous dire que le Seigneur est en train de conduire parce que même l'écriture que mon frère a pris là et la prière de notre frère Job cadre vraiment avec tout ce qui sera dit ici aussi parce que bon, c'est comme qui dirait le Seigneur avait déjà vu. Genèse chapitre 13 et commençons notre lecture à partir du verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot, les Cananéens, et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Pourquoi? Car nous sommes frères. Amen. Nous allons parler de ce sujet, nous sommes frères. Amen. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Rapidement, Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14, que vous connaissez bien. Je recherchais la paix avec tous. Amen. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Prions tous. Seigneur Dieu notre Père, ta Amen. Parole a été lue. Merci. Envoie-nous la bonne interprétation, Seigneur, pour que chacun de nous soit guéri. Amen. Selon qu'il est écrit, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Amen. Bénis-nous, Seigneur. Et accorde-nous la liberté de l'esprit pour que, Seigneur, nous puissions dire ces choses qui sont bénéfiques pour ton peuple. Bénis-nous, au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes frères. Frères et sœurs, le temps court à sa fin, le temps de la grâce. Et comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 12, c'est l'une des conditions pour que nous puissions arriver à prendre part à l'enlèvement. Je crois mon frère qui priait là-bas, il a dit, Seigneur, c'est l'amour parfait qui entrera. L'amour parfait marche avec la paix.
Mais pour ne pas, comme on dit en anglais, mettre le charrue avant le chevaux, donc je vais aller progressivement. Ici, il s'agit de l'histoire d'Abraham et de Lot. Pardonne-moi parce qu'il y a des fois, je suis habitué à trop prêcher en anglais, donc je sens parfois l'anglais qui commence à monter, donc je dois me rappeler que je suis en train de prêcher en français. Donc, ici, il s'agit de l'histoire d'Abraham et de Lot. Nous savons tous, après le déluge, il y a eu un glorieux commencement. Après que Noé et ses enfants soient sortis de l'arche, je crois de tout mon cœur qu'ils avaient cette grande gratitude dans leur cœur. Ils pouvaient regarder et dire, « Oh Seigneur, merci parce que tu nous as sauvé la vie. » Mais un temps après, quand ils ont commencé à se multiplier, les gens ont oublié la grâce que Dieu leur avait accordée et il y a eu un abandon de la parole, une grande apostasie, et nous savons tous que cette apostasie avait amené une grande idolâtrie, et comme vous le connaissez, à Babylone, il n'y avait plus l'adoration de Dieu, on adorait des idoles, et Dieu a se proposé de faire un nouveau commencement. Le Seigneur a parlé à Abraham. C'est un grand réveil. Et Abraham, qui a entendu le Seigneur lui parler, il est allé aussi parler à Lot. Et il était question de sortir de Babylone. Nous ne parlons pas seulement d'Abraham. Nous parlons de nous-mêmes. J'ai toujours dit, frère, ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement, de lire que Dieu a béni Abraham. Mais si Dieu ne me bénit pas, ça m'importe. Tu comprends à peu près? Dieu a parlé à Moïse. Bon, ok, c'est bon, mais ça me sert. What good will it be to me? Quel bien cela me fera? Ah, quel bien cela me fera si Dieu ne me parle pas? Donc même aujourd'hui, frère, nous parlons des histoires qui nous concernent, nous. Après ce grand chaos spirituel, les gens étaient adoraient les idoles à Babylone. Dieu a parlé à Abraham. Sors de ta patrie, de la maison de ton père, de ta patrie et de ton pays. Je veux t'amener dans un coin où, dans ce coin-là, tu vas m'adorer. Et Abraham est sorti, Lot aussi, qui était impacté par ce réveil, a suivi Abraham. Frère, c'est tout comme nous. Il y a eu un chaos spirituel, nous le savons, après un glorieux commencement de l'Église à Pentecôte, Concile de Nicée, l'Église est tombée dans l'apostasie. Quoique Dieu a fait un peu de brèche par de différentes réformations, mais il n'y avait pas encore un véritable retour à l'adoration véritable du Dieu vivant jusqu'à notre temps. Et nous sommes dans le même réveil. Ce réveil qui nous a amené réellement au vrai culte du Dieu vivant. Comme Abraham avait abandonné les idoles et tout ça pour aller adorer Dieu et dans un pays où Dieu avait lui-même lui avait montré. Maintenant, pour ne pas trop prendre le temps, parce que je sais que je n'ai pas assez de temps, frère, pendant qu'ils étaient ensemble, presque dans la terre promise, Lot avait des bergers et Abraham avait aussi des bergers et il y eut conflit entre les deux. Et Abraham, qui était véritablement un enfant de Dieu, qui avait la nature de Dieu, il est allé voir Lot, il dit, écoute Lot, nous avons un problème ici. D'abord, ce n'était pas, comme nous le lisons là-bas, ce n'était pas un conflit entre les deux. Ce sont les bergers qui se battaient. Frères, même nous-mêmes, nous devons faire attention. Il y a parfois des conflits qui viennent parmi les croyants, mais l'origine, ce sont les enfants. Oh non, parce que ton enfant, piétine mon enfant.
Faites attention. Dieu nous a appelés à la paix. Amen. Dieu, c'est un Dieu de paix. Amen. Dieu ne peut pas t'appeler et puis tu es un causeur de problèmes. Tu ne sais pas contrôler ta bouche et tout ce que tu dis, ça mène des problèmes. Tu ne sais pas contrôler même tes mains et tu arrives à tabasser les gens. Frère, de telles natures ne sont pas, ce n'est pas la nature de Dieu. Abraham était tellement transformé parce que tout ce que Dieu fait est bon, frère. Amen. Quand quelqu'un passe le temps de la présence de Dieu, ça le change. Amen. Abraham était changé. Il dit, Lot, qu'il n'y ait pas de problème, je te prie, entre moi et toi. Parce que nous sommes frères. C'est vrai, dans la chair, Abraham était oncle de Lot. Mais Abraham ne parlait pas de cette histoire-là, que nous sommes frères dans la chair. C'était plus parce qu'ils servaient le même Dieu. Ils étaient sortis sous le même réveil. Nous aussi, frères, nous avons entendu la parole du Seigneur. Si tu viens, tu crois au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut, moi je viens, je crois aussi. C'est Jésus-Christ qui est notre paix d'abord. Amen. Comprenez que frère, le monde était aliéné. Toi et moi, nous étions séparés de Dieu. C'est vrai. Et la colère de Dieu était sur nous. Mais c'est Jésus qui est venu, lui-même. Comme mon frère prêche les plans du salut ici. Comme le frère Bernard m'a toujours dit. L'homme créé à l'image de Dieu est tombé dans le péché. Maintenant pour le ramener, Dieu devait venir à l'image de l'homme. Amen. Lui-même, frère. Si je veux résoudre un conflit, tant que toi tu as ta position, ah non frère, c'est pas moi qui ai commencé. J'attends qu'il vienne. Le Seigneur est venu. Et tant qu'une personne a cette position, rien ne va se résoudre. Le Seigneur est venu, dit oui, vous avez fait ça, mais je prends toute la faute, je mets sur moi-même. Amen. Dis-moi frère, quel amour! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Amen. Et c'est nous qui étions des fautifs. Oui. C'est nous qui avions péché, c'est nous qui avions transgressé la parole. Mais lui dit, ok, pour que cette situation, tu vois, débloque, tant que je continue à les blâmer, rien ne va aller de l'avant. Et parfois, c'est la nature de certains frères. Frère, et tu te cramponnes à une chose là-bas, tu continues à blâmer les gens. Frère, rien ne marchera. Un enfant de Dieu n'a pas cette nature-là. Il y a des fois, on peut perdre nos droits pour aider quelqu'un. Amen. Lot, tu es mon frère. Je ne veux pas de problème. Frère, il y a beaucoup d'écritures, mais nous pouvons quand même prendre... Prenons évidemment pour notre paix, Jésus-Christ, notre paix, et Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Pardon. Ah, ok. Voyons un peu le verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, des prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ici, il parle aussi de juifs et de païens, comment nous étions tous
comme ennemi. En fait, je voulais même prêcher sur l'inimitié, j'allais toucher cet aspect des choses-là, mais aujourd'hui, nous parlons tout simplement que Jésus-Christ, c'est lui notre paix. Et frères et sœurs, quand nous venons au Seigneur et nous croyons dans l'œuvre de Golgotha, le salut, c'est un grand miracle. Quelque chose se passe dans nos cœurs. Les pécheurs qui étaient éloignés, qui se sentaient condamnés, dans l'amour de Dieu, il reçoit la paix de Dieu dans son cœur. Bien entendu, après s'être repenti. Parce que tu ne peux pas recevoir la paix de Dieu sans la repentance. Tu étais d'abord ennemi. Tu dois avouer, être prêt à rejeter les choses qui causaient cette inimitié-là. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Quelqu'un veut être béni, mais il veut être béni dans le péché. Non, c'est le péché qui a causé l'inimitié. Quoique le Seigneur a pris la force sur lui-même, mais est-ce qu'il veut voir le péché continuer? Non, il veut que tu renonces à ce péché. Il veut que tu viennes avouer que Seigneur, je suis fautif et dans ma peut-être petite force, j'essaierai de faire mon mieux d'être correct avec toi. Et quand Dieu voit ça, frère, miraculeusement, il te guérit aussi. La paix de Dieu vient dans ton cœur. Comme Romain le dit, Romains 5, verset 1, nous pouvons les lire, sorry. Les histoires viennent en anglais là-bas, mais je ne vais pas trop lire là. Romains, chapitre 5, vous connaissez tous le verset 1. Je ne vais pas trop m'apesantir, mais je veux juste voir un aspect. Premièrement, frère, on ne pouvait pas avoir la paix sans Christ Jésus. Verset 1, et étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Frère, l'homme qui n'est pas sauvé n'a pas la paix. C'est vrai. C'est d'ailleurs, un homme qui n'est pas sauvé, frère, c'est quelque chose que tu ne peux pas dompter. Même aux États-Unis, ils ont pensé, frère, dans notre État, si nous mettons un peu de quoi? Death penalty, c'est encore quoi? La peine de mort. Les gens vont changer. Mais on met la peine de mort, frère, les gens ne changent pas. C'est pour te dire que, frère, même la mort ne peut pas changer quelqu'un. La preuve, c'est que même le sida est là. Est-ce que le sida et toutes ces maladies sexuelles ont changé les gens? Non! Ce qui change un homme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Si seulement ce pays avait prêché la parole. Ils ont enlevé la parole des écoles et ils pensent que, non frère, le socialisme, les morales, ça va changer l'homme. Non, 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 non. Ce qui change l'homme, c'est la parole de Dieu. Et retournons à Abraham. Abraham est sorti. Ayant été changé par Dieu, il dit, non, je ne veux pas qu'il y ait de problème. Nous sommes frères. Nous adorons le même Dieu. Nous sommes sortis sous le même réveil. Frères, la même chose aujourd'hui. Comment moi et toi, nous allons partir au ciel. Nous adorons le même Dieu. Mais ici, d'abord, on n'a même pas la paix. C'est ça. Quel ciel? L'un de nous est en train de tromper. L'un de nous est en train de tromper. Si c'est le même ciel, comme l'homme de Dieu, notre frère Franck a toujours dit, frère, il y a des croyants ici. Ils sont chez eux. Pendant que vous êtes ici, et ils sont à la télévision, regardez les matchs et tout un tas d'histoires. Vous avez le repas du Seigneur et ils sont. Et puis, à l'enlèvement, frère, nous allons tous manger le repas du Seigneur auprès du Seigneur là-bas au ciel. Non, non, ça c'est une illusion, frère. Les choses doivent commencer ici sur la terre. Amen.
dans une même église, des sœurs ne se parlent pas. Et tu penses au frère, quand on sera là-bas, maintenant c'est Jésus qui vient. Sœur Antoinette, quand même, sois gentille, parle à l'autre sœur. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas rester. Il faut que tu changes ici. Tu dois être un enfant de paix. Abraham dit à l'autre, écoutez, nous sommes frères. Toutes les disputes, les querelles, nous les avons laissées à Babylone. Dieu nous a appelés à sortir. La même chose aujourd'hui, frère. Dieu nous appelle à sortir de toutes ces bêtises qui se trouvent dans les mondes. Les enfants partent de gauche et de droite, critiquent leurs parents. Toutes ces histoires sont dans les mondes. Mari et femme, ils ne se parlent pas. Frère, parfois sur le même lit, l'autre regarde de ce côté-là, et dit, frère, non, ne me touche pas. Et puis le dimanche, Jésus vient Maranatha. Maranatha, il vient pendant qu'il n'y a même pas la paix dans ton cœur. La question est celle-ci aujourd'hui. Si tu ne, enfin, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, es-tu un enfant de paix? Regarde cette croix ici, frère. Elle est devant vous. La croix. La paix horizontale, pardon, c'est horizontale, et la paix verticale. La croix nous a réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Celui qui trouve la paix avec Dieu peut aussi vivre en paix avec les autres. Amen. 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 Peut vivre en paix avec les autres. Comment toi qui as trouvé la paix avec Dieu, tu as du mal à vivre en paix avec les autres? Et ça, c'est la condition que nous avons même pour l'enlèvement. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, on ne dit pas personne ne verra le Seigneur au jugement du trône blanc, parce que là, tout le monde le verra. Personne ne verra le Seigneur lorsqu'il retourne pour prendre l'église. Amen. Parfois, les gens nous comprennent mal. Même quelqu'un qui prêche de fausses doctrines, nous devons l'aimer. Essayez de l'aider. S'il ne veut pas, on le laisse comme ça. Mais dis-moi, il sait que ce frère m'aime. Amen. Aujourd'hui, frère, il y a pas mal d'histoires qui se passent parmi les enfants de Dieu. Et même de la haine qu'on essaye de masquer sous forme de la parole. Oh frère, c'est parce que nous aimons la parole, mais comme elle est sortie de l'assemblée, on ne va plus nous parler. Hein? Tu es dans une religion? La Bible nous commande d'aimer les gens. Mais en même temps, nous devons aussi faire attention parce qu'il y a des séducteurs. C'est vrai. Surtout quand un frère abandonne l'église. Frère, ça ne sont pas des choses comme « je les ai vécues ». Ils deviennent plus dangereux que le païen. C'est vrai. Ils n'ont même pas crainte de critiquer l'église. Mais si je te dis une chose, frère, et que tu ne parviens pas à garder un secret, tu t'en vas le répandre à l'extérieur là-bas, je te comprendrai. Dis-moi, moi j'ai raconté cette histoire à mon frère Bovic, et il n'a pas gardé discrétion, il est allé propager la chose, je comprends. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent de frères, qui fabriquent des mensonges. Et les font circuler. Maintenant, tu te demandes, frère, mais est-ce que les gens se rendent d'abord compte que nous rendrons compte de toutes choses que nous faisons devant le Seigneur? Amen. Non pas seulement ça. Tu ne peux pas aller dans l'enlèvement ayant fabriqué une histoire même sur le frère, et peut-être sur le frère Bovic. Et frère, Jésus vient, tu parles. Non, il faut d'abord réparer ça. Amen. Tu vois? Amen. Réparer ça. Que Dieu nous aide, frère. Et Abraham qui était sorti, ils sont assis avec Lot. Il dit, Lot, si toi tu choisis gauche, moi je prends la droite.
Remarquez d'abord l'attitude d'un vrai fils de Dieu. Frère, c'est moi que le Seigneur a appelé. Toi d'abord, tu m'as suivi. Moi, je vais choisir avant. Non. Abraham savait, peu importe où je suis, le Seigneur sera avec moi. Amen. Et la Bible dit, Lot levant les yeux, il a vu les plaines là de Sodome qui était comme un jardin d'Éden. Voyez-vous les apparences? Vous pouvez lire ça? Ça apparaissait comme un jardin d'Éden. Et comme il était un vrai entrepreneur, il pensait, non, avec ça, vraiment, mes brebis vont s'engraisser. Je deviendrai riche. Je te dis, frère, c'est Dieu qui bénit. Amen. Finalement, avec son choix, il est sorti de Sodome, main vide. Voyez-vous? Abraham, apparemment, parce qu'il recherchait la paix, comme il a donné à Lot le premier de choisir, frère, si tu étais là physiquement, tu peux voir, mais Abraham a perdu. Quelle erreur! Ce n'était pas l'erreur. La Bible nous dit là-bas, en fait, nous pouvons le lire aussi. Juste après que Lot se soit séparé de lui, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je te donnerai, ou je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 17. Lève, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, et je te le donnerai. 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Manré, qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham est allé habiter à Hébron, près de Manré. Même les mots frères, Hébron veut dire communion. Tu vois? Communion avec Dieu. Même si je suis dans un point isolé, frère, aussi longtemps que j'ai communion avec Dieu, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, il y a trop de charnel. Même matière d'argent, frère. Il y a des gens qui trompent leurs frères. C'est grave. Mais frère, avec Dieu, même le peu que tu as, mets le Seigneur en premier. Amen. Il te bénira. Ici, je ne suis pas un pentecôtiste pour dire que Dieu fera de toi millionnaire. Il n'y a pas une promesse comme ça dans la parole. Ce que nous savons, Dieu a dit, il subviendrait à tous nos besoins. Amen. Un besoin, c'est différent d'un désir. C'est ça. Tu as un désir de rouler dans une Mercedes, mais Dieu te donne un besoin. Comme tu as dit, ok, je te donne Fiat Panda. Tu comprends? Je te donne Fiat Panda. C'est un besoin. Tu as besoin de te déplacer. Un besoin, ce n'est pas un désir. C'est la chose que tu as besoin. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. À tous nos besoins. Frère, Abraham a choisi un coin. En fait, c'est l'autre d'abord qui avait choisi. Mais Abraham est allé se retirer. Mais à la fin, frère, il était content parce qu'il avait sa communion avec Dieu. Mais le point sur lequel je vais m'apesantir, c'est que frères et sœurs, nous devons être des enfants de paix. Aujourd'hui, il y a même des croyants qui n'ont pas peur. Dans une assemblée, vous créez des difficultés à celui qui vous prêche la parole. Lisons Deutéronome 32. Ici, Moïse, après qu'il ait fini de conduire les enfants d'Israël, le Seigneur était prêt à les recevoir. Exode 33.
et il prononçait le dernier bénédiction sur les enfants d'Israël avant qu'ils ne meurent. Remarque ce qu'il dit de ceux-là qui prêchaient la parole, Lévi. Deutéronome 33, commençons au verset 8. Sur Lévi, il dit, parce que nous connaissons tous que c'est la tribu de Lévite que Dieu avait choisie pour que cette tribu-là le serve dans le ministère de la parole du temple et tout un tas d'histoires. Évidemment, Moïse était prophète, mais ceux-là se s'occupaient aussi d'enseigner la loi aux autres et du service du tabernacle. Deutéronome 33, verset 8. Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ce frère, il ne connaît point ses enfants, car ils observent la parole et ils gardent ton alliance. Ici, c'est Moïse qui bénissait Lévi. Tu vois, frère, c'est la même chose aujourd'hui. Un prédicateur appelé à l'œuvre du Seigneur, il va pas mettre sa femme en premier ou ses enfants en premier. D'abord, en premier, c'est la parole du Seigneur. Et c'est de ça qu'il parle ici, que Lévi ne connaît point ce quoi. Lévi, il dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Cela ne veut pas tout simplement dire que nous devons négliger nos parents, loin de là. Mais il s'agit ici de la charge qu'on reçoit de la part du Seigneur. Si Dieu t'appelle dans un ministère, papa et maman viennent, tu vois. Toutes les autres choses, même la famille, en seconde place. D'abord, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est de ça que Jésus même a dit. Si tu ne prends pas ta croix, si tu ne renonces pas à ton père et à ta mère, tu n'es même pas digne d'être dans le royaume des cieux. Mais continuons. Le point que je voulais relever, c'est encore un peu plus bas. Verset 10. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Regarde maintenant verset 11. Écoute bien. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. C'est très dangereux de combattre celui qui vous prêche la parole. Amen. Amen. Très dangereux. Priez pour eux. Ils sont des hommes, ils ne sont pas parfaits. Il y a un jour, comme ça, je prêchais la parole de Dieu et les serviteurs de Dieu. Il y a une grande différence. La parole de Dieu est parfaite. Les serviteurs de Dieu ne sont pas toujours parfaits. Ils ont des erreurs. Mais la parole qu'ils prêchent est parfaite. Et cette même parole, ça va t'amener toi qui l'écoutes et lui-même qui prêche cette parole à la perfection. Amen. 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 Ne mettez pas les... Oh frère, non, parce que simplement, on ne veut plus venir à l'assemblée. On associe Dieu et l'œuvre de Dieu à l'homme. Ça non. C'est mal comprendre les Écritures. Un homme peut avoir, tu vois, mais la parole de Dieu reste, c'est elle que nous regardons et c'est elle que nous croyons. Mais en même temps aussi, un homme de Dieu doit faire, par la grâce de Dieu, ses efforts à marcher en ligne droite avec la parole. Amen. Vous savez, l'une des particularités de tous les enfants de Dieu, frère, nous ne voulons pas glorifier nos erreurs. Nous ne voulons pas glorifier nos faiblesses. Si la parole vient et condamne ma faiblesse, je dois me mettre. Seigneur, délivre-moi de cela. Amen. Parce que,
Frère, c'est seulement la parole qui nous délivre, qui nous donne la force. Alléluia. Ici, on parle de Lévi. Et il y a des frères. Quelqu'un commence un ministère, il y a des lettres circulaires que je peux vous lire. Ça se trouve là-bas. Aucune assemblée ne commence, frère. Tu t'en vas créer une autre assemblée là-bas, non? Titre de prédication. Ou bien, frère tel, frère Mie ou frère Kike. Non, non, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà. Et puis toi, tu commences. Non, si tu commences l'assemblée, il s'agit de l'affaire de Christ. Ne commence pas une assemblée en calomniant les gens. Comme titre de prédication, vous condamnez, frère, vous calomniez ceux qui vous ont prêché la parole. Nous devons respecter les choses de Dieu, frère. Aujourd'hui, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Même ici dans cette église, nous sommes tous. Quoique évidemment, il y a des fautes gauche et droite, comme Lot avait aussi des fautes. Mais frère, Abraham essayait de couvrir son frère. L'amour parfait nous aide à aider même le faible. Si tu lis l'histoire de David et de Saoul, frère, Saoul a poursuivi David près de 12 ans. 12 ans. Mais quand Saoul est mort, David dit, c'est 2 Samuel chapitre 1, je pense, n'annoncez pas la nouvelle. Peut-être on peut le lire, je ne sais pas. 2 Samuel chapitre 12, 1, pardon. Je n'ai pas assez de temps, donc comme je n'ai qu'une heure, j'essaye de couper beaucoup de choses en morceaux. 2 Samuel 12. Pardon, 1. 2 Samuel 1. Je vais voir ça un peu, peut-être dans deux chroniques, mais vous connaissez la je crois que ce n'est pas là-bas, c'est dans une autre place. C'est 2, attends, 2 Samuel. Ok, oui, 2 Samuel 1, verset 19. En fait, à partir du verset 17, voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est les cantiques de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Remarquez que même Saül, qui lui a causé pas mal de troubles, mais David les considère comme un élite d'Israël. Comment des héros sont tombés? Ne l'annoncez pas dans Gaf. N'en publiez point la nouvelle dans le riz d'Ascalon. De peur que les filles de Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Frère, même il y a un mal dans l'église, tu n'as pas le droit d'en parler aux païens là-bas. Tu n'as pas le droit. Un frère qui fréquente cette assemblée, même avec ses fautes, même si on doit venir à la chaîne traiter ces problèmes-là, aussi au vu de tout le monde, tu n'as aucun droit d'en parler à un païen là-bas. Parce que ce serait
exposer quelqu'un. Et cela n'est pas juste. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Si tu sens que tu n'as rien à dire, parle de la parole. Si tu n'as rien à dire, c'est ce que le frère Branham me conseille. Si tu sens que tu n'as rien de bon à dire sur un frère, prie pour lui. Au lieu de, tu vois, tu peux pécher en les critiquant. Cela n'est pas juste. Toi, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. La paix parmi les enfants de Dieu, c'est très important. Mais touchons un peu le mariage. C'est malheureux. La Bible nous montre qu'Abraham aussi était marié à sa sœur. Plusieurs fois, devant Pharaon, en Égypte aussi, à Abimelech, il a dit de Sarah, elle est ma sœur. C'est vrai, dans la chair, il y avait de relations aussi. Mais cela est un type qu'Abraham, fils de Dieu, un homme de Dieu, devait se marier à sa sœur. C'est un type aujourd'hui, nous tous aujourd'hui, nous devons prendre comme des femmes, de sœurs, avec qui nous partageons la même foi, la même espérance. C'est un péché pour un frère d'aller là-bas et de prendre une païenne. Parfois, il y a des gens qui disent, frère, tu vois, la parole de Dieu ne restera, on ne peut pas la changer. Si, par exemple, dans cette assemblée, il y a 20 frères et tous les 20 sont single, ils sont célibataires. Et tous les 20 célibataires s'en vont dans le monde prendre des païennes. Et 3 semaines ou 1 mois après, 6 mois après, toutes les païennes sont baptisées. Ce n'est pas à cause de ça qu'on doit changer la doctrine. La doctrine reste la même. Amen. Tu vois? On ne doit pas changer la parole. Et frères et sœurs, dans le mariage, frères et sœurs, vous devez avoir la paix. Je me suis toujours demandé, mais d'où vient le problème? Si une sœur est réellement une fille de Dieu, et l'autre frère est réellement un fils de Dieu, frère, d'où viendra le problème? Ou même si le problème vient, vous êtes déjà des enfants de paix. Amen. Vous allez prier. Vous allez bien les résoudre. Oui. Mais là où quelqu'un dit, bon, moi, il faut que tu m'écoutes aujourd'hui comme un brut là, brutal. D'abord, il n'a même pas la paix de Dieu dans son cœur. Il n'en a pas. Et frères et sœurs, que Dieu nous aide. Surtout dans le mariage. Les gens se parlent légèrement. Laisse-moi, ne me touche pas. Je me demande si les gens lisent même. Mariage, problème ancien. Prenez ça, lis. Frère, prends ça et lis ça dans la prière. Avec un esprit de prière. Je ne sais pas si une femme va encore dire, ne me touche pas cette nuit. Parce que si tu fais ça, c'est divorcer ton mari. Sur tous les problèmes de mariage, tu verras que, frère, que Dieu nous aide. Si Dieu qui nous a appelés est un Dieu de paix, en fait, il y a une écriture même qui dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Je vais voir ce verset. Et puis, frère, tu avais lu sur Éphésiens 12, c'était Romains 12, n'est-ce pas? Prenons peut-être Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15, je pense que c'est ce verset-là. Ah, ok. Commençons verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, comme mon frère avait prié là-bas.
et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. Et soyez reconnaissants. Frère, moindre problème. Non, frère, c'est le divorce. D'ailleurs, prends-toi ça. Les rings ici, prends ça. Et les gens pensent que comme j'ai remis les rings là-bas, le mariage est terminé. Non, non, non. Les prophètes de la, qui nous ont enseigné la parole, ce qui te lie, c'est ton vœu. Oui. Ce n'est même pas le quoi, la bague. Mm. Frère, je te remets comme alliance. Ou la soeur, prends l'alliance. Ça ne tranche rien. Parce que ton oui demeure oui devant le Seigneur. Amen. Avant de vous bénir, on vous demande. Tu veux pas? Oui. Tu veux pas ça? Oui. Maintenant, ce oui-là, c'est là-bas aussi. Not only. Pas seulement ça. Les parents aussi avaient accepté. Et je crois que l'Église vérifie toutes ces choses. Et puis, on vous bénit. Oh, frère, maintenant, comme c'est l'Europe, on donne le quoi? Hey, regarde, il n'y a plus rien entre moi et toi. Ça, c'est le certificat de mariage, c'est rien. C'est un papier que l'État te donne pour certifier que c'est ce monsieur ici. Mais le mariage avait déjà été fait. Et tu ne peux pas le rompre. Peut-être à moins que... Mais non, pas seulement ça, frère. Parfois, on se demande est-ce qu'on a la révélation. J'ai toujours prêché ces choses. Dieu lui-même dit à Moïse, je crois que c'est Deutéronome 24, si un homme épouse une femme, et que cet homme-là, qui a épousé une femme, découvre quelque chose de malsain, qui touche sa vie passée. La vie menée, évidemment, si on avait demandé la sœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se rencontrent dans un bar, le monsieur saoule, la femme est là-bas. Vous comprenez? Ce sont des conditions bizarres. Et j'ai toujours dit, si c'est comme ça que vous êtes rencontrés, ne posez plus de questions, allez de l'avant, le Seigneur vous a pardonné, allez de l'avant. Parce que quand les gens écoutent ces choses, à la fin, mon frère, maintenant ma soeur, dis-moi ton passé. Non, non, non. Comme vous êtes comme ça, allez, continuez. Mais ici, je parle d'un frère qui avait eu le temps de... Et puis on l'a trompé. Dieu dit à Moïse, si un homme épouse une femme et qu'il trouve quelque chose de malsain, qu'il écrive une lettre de divorce. Le divorce, c'était un droit exclusif donné à l'homme par une femme. C'est ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Paul dit ça aussi. Dans 1 Corinthiens 7, que la femme ne se sépare pas de son mari. Premier commandement. Deuxièmement, si elle se sépare, qu'elle demeure comme elle est sans se marier. Deuxième commandement. Frère, que Dieu nous aide. Je crois de tout mon cœur, si on a l'amour, on a la paix de Dieu dans le cœur, on ne peut pas arriver au divorce. Jamais. Et puis, même si la femme avait mal agi, avec l'amour de Dieu, frère, toi et moi, qu'est-ce qu'on a eu de bon? Christ et Jésus, le juste. La Bible dit, la paix, le juste. Oui. Il a pris nos péchés sur lui-même. L'amour de Dieu doit aussi, comme la Bible, the love of God constrains us. Ça nous presse. Nous contraint. L'amour de Dieu dans ton cœur va te contraindre aussi. C'est vrai. De pardonner ta femme. Et de vivre dans la paix. Parce que nous sommes appelés, comme on a lu là-bas, que cette paix à laquelle nous sommes appelés règne dans nos cœurs. Demeure un enfant de paix. Sois un enfant de paix. Ne crée pas des situations qui vont embrouiller les sœurs ou les frères. Non. Fais tout pour que tu sois une bénédiction aux autres. Amen. Et il y en a qui sont utilisés par les diables sans le savoir. Il y a déjà une situation dans une maison. Au lieu que tu ailles, toi, un enfant de paix,
ajouter à la paix? Non! Tu amènes un peu de, comme on dit, fuel. C'est de quoi? C'est le carburant. Le carburant! Pour bien attiser le feu. Là, tu as des mauvais esprits. Les gens qui pouvaient me... Ah! Comme on dit, d'ailleurs, c'est toi, moi, un homme qui me fait de telles histoires. Moi! Ah! Moi! Comme tu me vois ici, moi, ma soeur, on ne peut pas jouer avec moi comme ça. Tu ne sais pas des commentaires que tu fais là-bas, ce que ça va engendrer. Ce que ça va engendrer. Malgré la situation, nous devons nous référer à la parole. Nous devons parler le langage biblique. Voyez-vous? Il y a un problème dans le foyer. Frère, d'ailleurs moi, je pense divorcer mon mari. Toi qui es là-bas, directement prononce la parole. Ma soeur, je comprends que c'est difficile. Mais selon la parole, une femme n'a pas le droit de faire ces choses. Déjà, ça peut l'aider. Mais si toi tu es là-bas, ma soeur, moi je comprends. D'ailleurs, moi, toi tu lui as donné beaucoup de temps. Moi, le premier mois, il serait déjà parti. Tu es envoûté par des démons pour exacerber. Comme on dit en anglais, from bad to worse. Tu fais ça du mal au pire. Du mal au pire. Donc, la situation se gâte complètement sur ta déclaration. Quel enfant de paix tu es, toi? Est-ce que tu peux dire, frère, Seigneur, moi je suis un enfant de paix? Malgré la situation, frère, sœur, nous sommes appelés à être des enfants de paix. Amen. Oh, tel frère a parlé mal de toi, ceci. Et toi tu es là-bas, tu t'énerves. D'ailleurs, quand il est venu dans ce pays, c'est moi qui l'ai reçu. Lui, frère. Quel genre de comportement tu as? Tu n'es même pas un enfant de paix. Jésus l'a dit. Pour ceux qui vont le suivre, ils seront persécutés. Les gens vont vous accuser faussement. Amen. Mais malgré cela, frère, gardez votre paix. Amen. C'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Ce n'est pas un combat charnel. Et même si c'est Dieu qui combat pour nous, frère, faisons attention à nos sentiments. À nos sentiments. C'est lui réellement qui est sauvé, qui a l'amour de Dieu. Même s'il apprend que son ennemi a été écrasé par un véhicule, il va être là-bas. Frère, ces gens-là ont combattu la parole. Comme ils ont fait ça. Frère, ils ont mérité ce qu'ils savent. Non! Ça, frère, c'est un mauvais sentiment. Il faut toujours avoir Seigneur. Oh là là. Oui. Tu vois, tu souffres, même si c'est lui que tu connais ou tu ne le considères pas comme un ennemi, mais qui agit comme un ennemi. Parfois, c'est ce que le diable fait. Deux frères, dans une même assemblée, ayant la même espérance, mais l'autre est aveuglé et il commence à agir comme il est ennemi de l'autre. Alors qu'en réalité, le sang de Christ nous a tous réconciliés avec Dieu. Frère, je vais juste prendre 2 minutes. Parlons de pour terminer, Amos chapitre 1, verset 9. Dieu appelle ça alliance fraternelle. Amos chapitre 1, commençons. Évidemment, commençons verset 6. Ici, Dieu prononce un jugement contre les Tyriens, les gens de Gaza, parce qu'ils ont vendu les esclaves d'Israël aux Édomites. Écoutez un peu ceci. À partir du verset 6. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Dans la traduction anglaise, on dit je ne révoque pas ma punition. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs. Ici, il s'agit des captifs d'Israël. Pour les livrer à Édom, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza. Et il en dévorera le palais. Sautons verset 9. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même des 4,
Je ne révoque pas mon arrêt ou ma punition. Parce qu'ils ont livré les captifs d'Israël à Édom, une foule de captifs. Remarquez ce qui suit. Sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Frères, nous tous nous sommes ici. Prenons l'exemple de la famille naturelle. Nous sommes nés avec des frères, premièrement, que nous n'avons même pas choisi, et des sœurs. Il y en a qui peuvent être des prostituées. Il y en a qui sont des vrais soulards, des grands buveurs. Mais ce sont nos sœurs, nos frères. Qui d'entre nous, qui, frère, j'ose poser cette question, qui d'entre nous peut avoir le courage de venir? Oh frère, je vais vous dire une chose. Hein. Ma mère a commis adultère. Et puis mon frère, frère, ce sont des choses tellement sales. Quand on pense à cela, comme on est la famille, on ne veut même pas en parler. Ça, c'est la famille naturelle. Et parce qu'on est né dans cette même famille, il y a une liaison de sang. Dieu appelle ça cette responsabilité, cette manière-là. Cette liaison de sang, c'est ça, l'alliance fraternelle. Il y en a qui sont ici. Frère, tu supportes toute une famille là-bas au Congo. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance fraternelle. Comment moi je peux avoir à manger ici pendant que mes propres frères là-bas n'ont rien à manger? Ça te pousse à faire quelque chose. Et ici, Dieu condamne. Parce que si tu vois de Noé, tu vois tous les enfants de Noé et tout ça, en réalité, que ce soit les gens de Gaza, les Édomites, d'ailleurs les Édomites ce sont les Ismaélites, donc, pardon, de quoi, ils sont descendus de quoi, d'Ésaïe. Et Israël est descendu de Jacob. Et tous ces gens frères, ils sont sortis de quelque part. Ils sont tous des frères. Maintenant, le Seigneur dit, je vais te punir parce que tu ne te souviens pas de l'alliance fraternelle. En d'autres termes, tu ne dois pas traiter ton frère comme ça. Il est ton frère. Si dans la chair, nos sœurs, elles peuvent être une prostituée ou peut-être un grand buveur, il fait même la honte de la famille, tu n'en parles pas, comment oses-tu maintenant parler des erreurs de frères dans la foi? Et ça, ici, c'est ça la plus grande fraternité, frère. Parce que nous irons au ciel avec tout un chacun de vous. Alors nous devons faire attention, frère. Cherchons la paix. Et là où il y a des frictions, ma soeur, prie. Prie. Mon frère, prie. Et surtout, pour ceux qui prêchent la parole, il n'y a pas de choses si horribles que d'être dans une assemblée divisée. Les commérages, les critiques, c'est un véritable cancer dans l'église. Et Dieu n'aime pas ces choses. Si dans l'alliance fraternelle, les sangs, nos frères consanguins, nous sentons cette lourdeur, cette responsabilité, parfois de se sacrifier pour les autres, pourquoi pas dans les choses de Dieu? Ici, il s'agit du sang de Christ. Amen. Amen. Qui nous lie, qui nous a rachetés par la nouvelle alliance. Frère, tout un chacun de nous a une grande responsabilité. Ne parlez pas des erreurs de frères ou de sœurs. S'il y a un problème entre enfants, sœurs, frères, l'enfant de ce frère-là ou de cette sœur-là, avec celui-là, ils se sont brouillés. Faites attention que ces problèmes ne puissent pas, you know, escalate. Comment est-ce qu'on dit encore, you know? Dégénérer, oui. Ou peut-être même monter et puis ça, tu vois, ça s'éclate. Juste, le deux mamans ne se parlent plus. Non. S'il y a un problème des enfants, traitez-les avec les enfants. Un problème entre vous, traitez-les entre vous. Et même jusque dans Matthieu 8, là-bas, frère, Matthieu 18, tu vois un frère dans l'erreur, toi-même, corrige le frère. Et quand tu l'as corrigé, n'amène pas cela à un autre frère.
Là, ça tombe dans les calomnies, c'est un péché devant Dieu. À moins peut-être que deux fois ou trois fois, là, selon que le dit l'Écriture, tu vas prendre notre frère, et puis, si le frère, là, tu l'amènes à l'église. En cela, tu ne pèches pas, tu considères les Écritures. Tu vois? Dieu nous appelle à la paix. Pourquoi? Nous sommes frères. Amen. Amen. Nous sommes frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.